Bon, aujourd'hui, vous avez de la chance, vous n'allez pas trop voir mon visage dans cette vidéo. Je vais vous montrer une petite chose très simple parce que bah, je vois que la question du plus 1,33 continue à poser des problèmes à beaucoup de monde. Mais en fait, je vais vous montrer trois images. Je vais vous montrer une première photo qui a été mesurée à moins 1 diaph, une deuxième photo qui a été mesurée à 0 et une troisième photo qui a été mesurée à plus 1,33. Donc, on prend la photo exposée à moins 1 diaph et on va aller voir les zones sombres de cette photo. On voit que ces zones sombres apparaissent presque bouchées. Alors, si par hasard je voulais augmenter un petit peu l'exposition au développement pour retrouver un peu de matière dans les zones bouchées, voilà ce qui apparaît. Donc là, j'augmente l'exposition et vous voyez qu'en réalité, dans les zones sombres, ben, j'ai du grain numérique qui apparaît, de la postérisation, des pertes de couleurs et des informations, des petits artefacts, etc., malgré le fait que la photo a été prise avec un excellent appareil photo. Maintenant, on refait la même opération sur la photo prise avec la valeur posemètre, donc là à 0. Voilà, donc on fait la même chose, on regarde le même endroit, la même image dans la zone la plus sombre. Bon, on voit que si je veux exposer un peu plus cette zone-là, ben, bon, c'est un peu mieux que dans la photo sous-exposée, mais bon, c'est pas terrible en réalité. Il y a du grain. Enfin, du bruit, pardon, puis voilà, puis on a une perte d'information. Donc, je ne peux pas développer très facilement, très finement, les zones sombres de mon image. Maintenant, on va regarder la photo prise à plus 1,33 et on va regarder ce qui se passe dans les zones sombres. Mais on voit que sur la photo prise à plus 1,33, eh bien, j'ai de la matière dans les zones sombres et je peux facilement intervenir. Comme là, par exemple, j'augmente l'exposition, mais on voit qu'il n'y a aucun bruit numérique qui apparaît et les couleurs sont respectées et qualitatives. Et on va faire exactement la même chose, mais dans les parties claires. Alors là, je vous montre, on reste sur la photo à plus 1,33 et je vous montre la partie claire de la photo à plus 1,33. Et je vais baisser l'exposition et on va voir que, ben, en réalité, il n'y a pas de perte d'information. Il n'y a pas de perte d'information, il y a de la matière et donc je vais pouvoir développer très finement cette partie de la plage dynamique de mon capteur. Voilà, maintenant on va regarder la photo exposée à 0. Ben, on voit que, ben, allez, ça a l'air assez joli à l'écran, mais ben on voit que la zone la plus claire, si je veux l'éclaircir, ben c'est pas aussi parfait que ça pourrait l'être, et ben là aussi on perd un peu d'information, alors que dans la photo surexposée à plus 1,33, j'avais pas ce souci-là. Et enfin, on regarde la photo sous-exposée de 1 diaph et on regarde ce qui se passe dans les zones claires. Ben, les zones claires, ben, j'ai moins d'informations. Ben, par exemple, quand je vais développer pour voir pour voir la matière dans la zone claire, ben, on voit que ben, j'ai moins de choses que ce que j'avais dans la photo optimisée. Donc, en réalité, en faisant ma photo à plus 1,33, ben, je ne perds aucune information, je n'ai aucune zone de cramée, j'ai une plage dynamique très large avec beaucoup d'informations. En réalité, si on théorisait ça, on dirait que sur une photo prise en RAW 14 bits, j'ai au moins 16 384 niveaux de couleur par couche. Et donc, ben, j'ai une photo qualitative super facile à développer, chose que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas fait mon optimisation à plus 1,33 et surtout si je n'avais pas mesuré ma lumière. Ben en réalité, les techniques que je vous montre, ben, on pose l'appareil photo, on fait une mesure, on corrige la lumière, on fait une photo et la photo est techniquement, au moins en termes d'exposition, réussie. Voilà, merci, j'espère que ben, ça vous aura donné des outils, que vous commencez à comprendre ce que j'essaie de vous montrer. Et en attendant, ben, soyez heureux, faites des photos et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!